Prabhat est très mécontent de Nilima pour avoir douté de Sanchi. Arian commence à aménager sa chambre pour pouvoir accueillir Sanchi, sa future femme. Viren suggère à sa famille de ne pas trop exposer leur argent pour ne pas embarrasser les Setia pendant le mariage. Chez les Setia, Diwakar et son frère sont tristes de ne pas pouvoir offrir un mariage luxueux à Arian. Pendant que Viren s'ennuie déjà de sa fille, la famille Setia et Sanchi sont au pique-nique et s'amusent pour l'occasion. Nilima, la tante d'Arian, en profite pour enquêter sur l'état de santé de Sanchi. Plus tard, elle pousse Sanchi dans la piscine pour vérifier si elle n'a pas de lésions sur ses membres. Arian s'introduit chez les Mittal la nuit pour offrir un cadeau à Sanchi. Un ami de Viren lui conseille d'annuler l'alliance de sa fille avec les Setia qui sont au bord de la faillite. Diwakar est content et annonce à la famille que ses affaires remontent et félicite ses fils d'en être les responsables. Sanchi est invité au pique-nique qu'organisent les Setia, ignorant que Nilima a de mauvaises idées sur elle. Diwakar et sa famille sont chez les Mittal pour l'organisation des fiançailles de leurs enfants. Rishi et ses parents y arrivent aussi chez pour le même sujet. La situation est embarrassante et Viren reproche à Chandra de s'être engagé auprès des parents de Rishi sans le prévenir. Plus tard, les Mittal retrouvent les Setia pour fixer une date de fiançailles. Diwakar continue de mettre la pression sur Soshen, son fils aîné, même s'il est fier de ses progrès au sein de l'entreprise familiale. Tanu aide Sanchi et Arian à se rencontrer dans une galerie commerciale. Diwakar et sa famille discutent des fiançailles d'Arian et Sanchi. À la bijouterie, Prabhat et sa femme surprennent la mère de Rishi annoncer au bijoutier le mariage de son fils et Sanchi. Viren se rend chez Diwakar et arrive à le convaincre d'accepter son aide financière. À son retour, il informe sa famille qu'il a offert un support financier à la famille Setia et que le mariage de Sanchi et Arian aura bien lieu. Le père de Rishi rappelle Chandra et lui demande une rencontre des deux familles pour concrétiser l'union de leurs enfants. Arian informe Sanchi que son frère est blessé et a été admis à l'hôpital. La famille Mittal se rue aux urgences, mais Arian et son frère évitent de les rencontrer. Prabhat reçoit une assignation des créanciers qui menacent de récupérer la maison des Setia comme paiement de leurs dettes. Sanchi réussit à avoir des explications avec Arian. Priyanka retrouve une boucle d'oreille appartenant à Sanchi dans sa voiture et demande à Arian de la lui remettre. Il lui donne rendez-vous dans un restaurant. Pendant ce temps, Diwakar est inquiet car ses créanciers lui réclament le remboursement de ses emprunts au plus tôt. Plus tard, Diwakar et Prabhat informent la famille de la faillite de leur entreprise. Prabhat se rend chez les Mittal et leur annonce que les fiançailles d'Arian et Sanchi sont annulées. Diwakar s'excuse auprès de sa mère d'avoir déshonoré la famille, mais cette dernière le calme et le rassure. Pendant ce temps, chez les Mittal, toute la famille est dans l'incompréhension. Sanchi appelle Arian pour apprendre les raisons de la rupture de leur alliance. Les créanciers de Diwakar décident de vendre l'entreprise familiale pour se rembourser. Chandra, la tante de Sanchi, rend visite aux parents de Rishi pour faire une alliance avec ces derniers. Diwakar s'excuse auprès de sa mère d'avoir déshonoré la famille, mais cette dernière le calme et le rassure. Pendant ce temps, chez les Mittal, toute la famille est dans l'incompréhension. Sanchi appelle Arian pour apprendre les raisons de la rupture de leur alliance. Les créanciers de Diwakar décident de vendre l'entreprise familiale pour se rembourser. Chandra, la tante de Sanchi, rend visite aux parents de Rishi pour faire une alliance avec ces derniers. Priyanka retrouve une boucle d'oreille appartenant à Sanchi dans sa voiture et demande à Arian de la lui remettre. Il lui donne rendez-vous dans un restaurant. Pendant ce temps, Diwakar est inquiet car ses créanciers lui réclament le remboursement de ses emprunts au plus tôt. Plus tard, Diwakar et Prabhat informent la famille de la faillite de leur entreprise. Prabhat se rend chez les Mittal et leur annonce que les fiançailles d'Arian et Sanchi sont annulées. Le père de Rishi rencontre Kusum au marché et lui fait part de sa déception de ne pas avoir pu conclure une alliance avec Sanchi. Soshan, le frère d'Arian, est inquiet pour son père. Plus tard, il découvre que la trésorerie de leur société n'est pas bonne.
Par ailleurs, Trabat informe Diwakar qu'un de leurs clients a résilié sa commande. Les Setia font un concours de badminton chez eux et grâce à la belle-sœur d'Arian, Sanchi peut suivre le match et encourager son fiancé par vidéo. Arian rencontre Sanchi et son ami d'enfance Rohit dans un café. Ce dernier est content du choix de sa meilleure amie. Le père de Rishi apprend par un ami que la famille Setia a des difficultés financières. Les Setia font un concours de badminton chez eux et grâce à la belle-sœur d'Arian, Sanchi peut suivre le match et encourager son fiancé par vidéo. Arian rencontre Sanchi et son ami d'enfance Rohit dans un café. Ce dernier est content du choix de sa meilleure amie. Le père de Rishi apprend par un ami que la famille Setia a des difficultés financières. Le père de Rishi rencontre Kusum au marché et lui fait part de sa déception de ne pas avoir pu conclure une alliance avec Sanchi. Sachant, le frère d'Arian est inquiet pour son père. Plus tard, il découvre que la trésorerie de leur société n'est pas bonne. Par ailleurs, Prabhat informe Diwakar qu'un de leurs clients a résilié sa commande. Sanchi rencontre secrètement Arian dans une foire artisanale. Elle découvre que Kusum, sa mère et sa tante y sont aussi pour faire du fait du shopping. Elle et Arian est double de vigilance pour ne pas se faire prendre. De retour à Jaipur, Arian finit par avoir le bon numéro de téléphone de Sanchi et l'appelle. Il lui fait comprendre qu'elle lui manque. Rishi et ses parents rendent visite au Mittal pour demander la main de Sanchi. Viren les informe que Sanchi est déjà promise à un autre à la grande déception de Rishi. Sanchi est très excité par l'invitation d'Arian et décide de le rencontrer malgré l'interdiction de sa famille. Arian a des moments de complicité avec Sanchi et découvre qu'elle fait de la moto comme lui. Ils se trouvent des points communs et décident de reconsidérer l'alliance. Pendant que la tante de Sheetal la sermonne pour avoir accompli son rituel du puja avec la main gauche, Arian arrive et rassure tout le monde. La mère de Sanchi est inquiète de voir sa fille être indécise par rapport à son alliance avec Arian. Sanchi et Arian se rencontrent en tête à tête pour un test de compatibilité en se posant des questions. Pendant les rituels de mariage de Sheetal, Rishi n'a Dieu que pour Sanchi dont il est tombé amoureux. Plus tard, alors que les familles Mittal et Setia se rencontrent pour statuer sur leurs enfants, Arian et Sanchi surprennent agréablement leur famille en acceptant de se marier ensemble. Plus tard, alors que les familles Mittal et Setia se rencontrent pour statuer sur leurs enfants, Arian et Sanchi surprennent agréablement leur famille en acceptant de se marier ensemble. Dans l'hôtel où sont logés tous les invités du mariage, Sanchi et Arian se rencontrent officiellement ainsi que leurs familles respectives.